peut dire que je puise toute mon inspiration dans cette région qui est la Nièvre, Lyon, le parc régional du Morvan. Comme vous pouvez voir ici, c'est un lieu magnifique, cette verdure, ces vallons boisés. Pour moi, c'est une bouffée d'air pur. Et là, sur le lieu où on est actuellement, Vézelay, la colline éternelle, c'est un lieu mystique, religieux et très très médiéval. Le médiéval que j'affectionne tant, et c'est là que je trouve vraiment tout mon imaginaire, ce fantastique que j'aime. Et voilà, on laisse son esprit errer et on voit apparaître au détour d'une allée une dame blanche, un chevalier, une nonne, pourquoi pas, une nonne comme dans mes livres. C'est d'ailleurs dans La Baronne des Monts Noirs et le mystère du chêne brûlé dont je parle de Vézelay. Je suis vraiment au plein cœur de ce Morvan médiéval et je me suis inspirée de l'histoire de Vézelay, je me suis inspirée de mon imaginaire pour créer vraiment des récits assez éclectiques, flamboyants, fantastiques et qui nous amènent sur des terres irréelles. Le Morvan, je veux dire que c'est une terre où il y a beaucoup, beaucoup de sorcellerie. Les anciens avaient beaucoup accès à ces pratiques, ne serait-ce que pour soigner les animaux, un rival, je ne sais pas. Il y a ce côté aussi très naturel, druidique, ce lien avec la nature, les fêtes paganes. La nature. Je pense que cette connexion avec la nature est vraiment très importante pour ce lien avec le fantastique. Il y a quelque chose de foisonnant, il y a quelque chose qui nous parle à l'âme. Et au niveau de l'inspiration, lorsque l'on est connecté, qu'on laisse son esprit divaguer, l'imaginaire est fertile. La Nièvre, pour moi, c'est une terre d'imaginaire. C'est là où je trouve toute mon inspiration, que ce soit dans la création en danse, la création dans les livres. Non, je donnerais rien au monde pour quitter ces lieux-là. C'est mon écrin de verdure, ma soif d'existence. Et je sais que quand je m'absente très longtemps d'ici, j'ai besoin de retrouver mes racines. Voilà, je pense que tout est dit. Est-ce qu'il y a un personnage ou une légende liée à cette région qui t'intéresse particulièrement ou t'aurais peut-être eu une petite anecdote à nous raconter? Je pense que sans hésiter, je dirais la Dame Blanche. Oui. La Dame Blanche qui est familière à beaucoup, beaucoup de régions de France. On la retrouve dans beaucoup de ruines, châteaux, abbayes, grands domaines fortifiés. Cette présence de femme assez spectrale qui garde son authenticité au fil des siècles et qui marque les hommes. Je veux dire que c'est un personnage qui fascine. Elle est souvent représentée avec une chouette effraie. Elle a ce côté fantomatique, ce côté protecteur ou effrayant. Et oui, c'est un personnage qu'on retrouve dans certains de mes romans, parfois. Puis un petit côté nébuleux qui rappelle un peu la danse aussi, peut-être c'est... Voilà, le côté nébuleux, le côté vaporeux, aérien. Mmh. Oui, c'est vraiment un personnage assez fascinant. On t'a parlé d'une légende de Dame Blanche étant plus jeune. Je pense que j'ai été bercée dans ces légendes de Dame Blanche. J'avais un papa qui me parlait souvent de ce personnage, donc je pense que c'est resté ancré dans ma mémoire. C'est une image de la femme aussi. C'est une image de la femme, voilà, qui traverse les siècles. Mais j'aime beaucoup le côté protecteur de la Dame Blanche. On la retrouve dans de grandes histoires, d'accidents de la route, ouais, lorsqu'elle prévient... C'est contemporain en même temps. Ouais, c'est contemporain. Et il y a ce côté aussi très médiéval, la femme qui a été martyrisée par son mari et qui se métamorphose au fil des siècles et qui prévient les autres, qui reste dans les ruines, qui reste dans les lieux pour montrer qu'elle existe toujours. Exactement. Voilà, ce côté mémoire qui reste. Donc on peut dire que dans la région, il y a énormément de sites, de tours, de châteaux, de lacs. Il y a énormément de châteaux en Bourgogne qui conservent ces histoires-là. Voilà. Ouais. Comme les vouivres, on les retrouve partout. Bourgogne, Franche-Comté, on les retrouve dans beaucoup d'histoires. Même en Bourgogne, on retrouve la pierre de la Vouivre au Mont-Beuvray. Donc le résumé un petit peu de mon voyage, finalement, ça va être quelque chose comme ça, qui va tourner autour de la pierre,
de l'eau, des rivières, et puis évidemment de la femme, puisque les vouivres, Tantari, la Dame Blanche. Tout à fait. On peut dire que c'est peut-être toujours presque, ce côté féminin. Côté féminin qui ressort. On va dire que la femme, ces créatures assez mystiques, extraordinaires, représentent l'âme du monde, on va dire. On va dire la création, la femme qui repose sur l'imaginaire. C'est un très beau résumé et ça conclut vraiment bien ce voyage. Je te remercie beaucoup. Merci à toi pour ta confiance et ces moments de partage. Merci. Comme je dis toujours, ce sont des petites perles de bonheur.